Bien, bonjour à vous tous. Nous sommes en Finlande sur l'aéroport d'Oulu et en ce jour de Noël, nous allons rendre visite au Père Noël un peu plus au nord à Rovaniemi, je crois, à bord de ce Beechcraft Baron G58 que je vais intégrer tout de suite. Bien, nous voici à bord. Comme d'habitude, alors ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Microsoft Flight Simulator. Je vous expliquerai pourquoi en cours de route. Donc, comme d'habitude, l'avion est éteint. Donc, je vais lancer dans un premier temps les batteries. Si je les retrouve dans le noir, en principe, ça se trouve par ici. Toss system test. OK. Voilà. Ça devrait me donner un peu de lumière, tout ça. Hop, histoire d'y voir un peu plus clair, oui, clairement. Une fois que j'ai fait ça, pardon, je vais lancer le moteur le plus rapidement possible, histoire de ne pas pomper la batterie, d'autant qu'elle va être très sollicitée par la suite. Donc, pour lancer le moteur, je crois qu'on est bon. Je vais tester tout de suite avec le moteur gauche. Allez, quatrième coup. Alors, je n'entends pas, ça m'inquiète. Est-ce que j'aurais oublié un truc? Oui, visiblement, puisqu'il est éteint. Allons bon, on reprend. Ah oui, j'ai un peu oublié d'ouvrir l'essence. Voilà qui devrait fonctionner maintenant. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Donc le gauche est lancé, la batterie va se sentir un peu moins seule. 3. Et le droit maintenant. Je croyais que j'ai reculé quand j'ai vu le véhicule passer là. Bien, je vais allumer tout ce qui est loupiote. Alors là, j'y vais. Les yeux fermés. Vous aurez remarqué qu'il fait quasiment nuit. En cette période de l'année, en Finlande, il doit faire nuit, il doit faire jour 2 ou 3 heures par jour, donc il n'y a pas trop de temps à perdre. Tout ce qui est givrage, je mets tout. Ça a terriblement pompé sur les ressources, mais il n'y a pas vraiment le choix. Et je pense que je suis bon. Je vais allumer le Garmin. Hop. Le manche, tu me gênes un peu, toi. Bon, tant pis, on passe après. Je me trompe de bouton depuis tout à l'heure. Ah, quand je dis que j'ai perdu la main. Hein. Voilà, pour un plan de l'aéroport. Au niveau du vol. Je vais me fixer comme altitude 2000 pieds, ça devrait suffire. Et voilà, on devrait pouvoir décoller. Et l'avion, d'accord, donc faut que je fasse un demi-tour. Sauf que j'ai un gars ici, donc je vais partir par la droite pour faire mon demi-tour. Donc on va voir tout de suite ce que ça va donner. J'enlève le frein. Ah, mais j'avais pas vu lui. Eh ben, autant pis. Parce que le problème, c'est que cet aéroport, on ne peut pas faire appel à eux, comme souvent, ils gênent et on ne peut pas les utiliser.
Oups là, j'y vois rien. Je suis un peu bas. Donc je prends place sur la piste. J'ai peur de caler. Les flaps, je vais mettre un cran. Bon, a priori, je devrais être pas trop mal. Allez, on va pouvoir y aller. Pas mal de difficultés à garder la ligne droite. Ah ben oui. Voilà. Je comprends pas trop, il fait pas trop ce que j'ai demandé de faire. Alors. Pas l'air d'avoir prévu de m'écouter. J'ai oublié un truc. Bien, a priori, on va retrouver le cap. Maintenant, il faut que je règle l'altitude. Oh là là, j'ai vraiment perdu la main. Voilà. C'est fou ce qu'on oublie vite.
bien à profiter de ces quelques heures, et pas plus, et de jours, pour aller à la destination. J'ai tout laissé tel quel, hein, donc la météo est dégueulasse. La durée des jours, bah, comme je vous l'ai dit, c'est très court. Et on va voir où tout cela va nous mener. Là, je me sens un peu comme un gros débutant. Donc le pilote automatique gère comme un grand l'altitude. On voit qu'il y a du givre quasiment partout. Il faut d'ailleurs que je vérifie si j'ai pensé à tout parce que... Il y a beaucoup de trucs inactifs, ça change pas. Non, je pense que je peux pas faire mieux. On se revoit à un petit aérodrome. Donc oui, j'ai arrêté la simulation aérienne pendant 2 mois, le temps de reprendre un peu comme vous avez pu le voir la simulation automobile. Mais c'est vrai qu'il faut se réacclimater à beaucoup de choses, notamment au niveau des commandes des avions. Je vois que tout ce qui était rentré dans la routine et parti, il faut que je réfléchisse à tout, y compris sur la navigation. Et puis je dois me réadapter à cet écran, enfin m'adapter du coup à cet écran 21/9 qui est vraiment top pour le coup, puisque comme j'ai pu le dire par ailleurs, c'est vraiment un écran qui couvre ce que les yeux verraient en vrai, donc c'est assez cool. Si bien que l'AVR est sorti sur Microsoft Flight Simulator, mais je ne l'ai pas encore utilisé tout simplement. J'aperçois que l'AVR a un côté un peu comprimant qui, moi, commence à me gêner. Donc je pense que je suis en sur-régime et qu'il faut que je me calme. Donc oui, je pense que je ne vais pas souvent l'utiliser. Sur Microsoft Flight Simulator et même sur les autres jeux, parce que j'ai fait quelques vidéos d'avance avec la configuration automobile. Et même sur Assetto, j'ai essayé de m'en passer, vous verrez ça plus tard. Un chantier pour passer de la configuration automobile à la configuration avion inversement, parce que je change complètement le cockpit que je me suis fait et ça prend du temps. C'est pas juste installer, désinstaller des pièces, c'est virer des éléments de bois qui stabilisent le tout, visser, dévisser, bref, ça me prend un temps fou. Surtout que là je suis dans les balbutiements, donc je passe mon temps à retailler des pièces sur mesure et ça me prend du temps. Quand toutes les pièces seront vraiment terminées, pour les deux configurations, je pense que ça ne prendra qu'une heure à chaque fois. Mais là, j'étais plus sur 3 heures. Tiens, on voit de la vie.
Alors vu qu'on va encore plus au nord, bah, les journées sont encore plus courtes. Du coup, je sais pas ce que ça va donner. J'espère que c'est juste ce noir, que la journée n'est pas encore commencée, plutôt que le soleil se soit déjà couché. S'il se couche, parce que peut-être qu'on est rentré dans la zone où il fait nuit tout le temps. Je peux éteindre les deux piottes ici. Oups, ça c'était pas prévu. Donc pendant quelques temps, je vais tourner avec une vidéo par semaine sur les avions et enfin sur Microsoft Flight Simulator, hein, clairement. Je me suis relancé dans X-Plane parce qu'il a fallu que je réinstalle Microsoft Flight Simulator. Et réinstaller Microsoft Flight Simulator, c'est 24 heures sans pouvoir rien faire. J'ai de nouveau utilisé X-Plane, mais c'est pas possible. Vraiment, j'ai beaucoup de mal, surtout avec le Trackeer, qui est pas du tout intuitif, alors que tout semble tellement facile sur Microsoft. Je vais pas jeter la pierre à ce simulateur, hein, X-Plane numéro 11, parce que avant Microsoft Flight Simulator, c'est quand même lui qui permettait de faire de la simulation aérienne. Mais là, la comparaison est vraiment trop brutale pour lui. J'aime beaucoup ce Beechcraft. C'est quand même clairement mon avion de tourisme préféré. Alors c'est pas le plus rapide, hein. Encore que en avion de tourisme, on ne doit pas être trop loin. Là je suis à 190 à peu près. Et ça. Je sais pas si ce sont des kilomètres-heure ou des milles nautiques. Je crois que je me renseigne sur Beechcraft Baron, si c'est l'unité anglo-saxonne ou l'unité internationale. Ah, ça fait plaisir de revoler, entre guillemets. Dans les voitures, ce que j'aime pas trop, c'est l'aspect compète. Je vous l'avais déjà dit, et en particulier sur les premières vidéos sur les voitures. Ça me branche pas. Je préfère honnêtement la balade. Je suis pas à un âge où la compète m'intéresse plus que ça. J'ai déjà donné dans d'autres sports, enfin dans d'autres sports, dans des sports qui n'ont rien à voir avec l'aviation ou avec la simulation automobile. Et je suis clairement pas en recherche de ça. Mais j'ai déjà eu mille fois l'occasion de m'en expliquer sur les vidéos qui concernent les automobiles. Il doit y avoir du vent, hein, parce que je vois que les yachts s'agitent. Alors, ça se trouve les vents ici. Ah ouais, 28 nœuds, waouh, latéral. Ah, c'est violent. D'ailleurs, on voit que l'avion, lui, il est obligé de compenser à fond.
Donc on se voit les gens qui passent tout l'hiver dans le noir quasiment. Ça doit être une drôle de vie. Il faudra que je revienne survoler la région cet été. Alors j'ai pris Oulu comme point de départ. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ça me permettait de faire une vidéo pas trop longue. En toute honnêteté, puisque on va, enfin, là où on va, ça se situe en Finlande, si je ne fais pas de bêtises. Je voulais démarrer d'Helsinki, mais ça faisait vraiment un trop long vol. Il va falloir que je solutionne ça. Parce que tant que je n'aurai pas la fibre, ça sera vraiment pas possible d'envoyer des vidéos de 4 heures sur YouTube. Donc là, je vais me limiter si possible à 1h30 grand maximum pour l'instant. La fibre doit arriver chez moi vers janvier a priori. Donc j'essaierai de ne pas traîner. Mais pour l'instant, il faut que je fasse court et du coup, il faut que je solutionne. Est-ce que je continue de faire des coups vols plutôt courts ou est-ce que je commence à charcuter mes vidéos? J'opte quand même pour la seconde solution parce que même quand j'aurai la fibre, que je pourrai passer au vol en A320 par exemple. Je pense pas que ça aura beaucoup d'intérêt pour vous de voir une vidéo de 5 heures alors que finalement il y a juste le décollage et l'atterrissage qui sont intéressants vraiment. Donc il va falloir que je prenne cette habitude de faire des coupes dans ces vidéos-là. Surtout parfois j'ai l'impression de vous avoir dit des trucs intéressants. Enfin intéressants, je m'entends. Hein. Par rapport à la chaîne, par rapport à mes choix. Et puis comme moi je vous les ai dit, je me dis bah, ça y est, j'ai déjà dit. Mais en fait non, parce que ça tombe en plein milieu d'une vidéo d'1h30 où quasiment tout le monde a décroché. Donc il faut que je fasse gaffe à ça aussi. Ça a l'air bien glacé en bas. Ah oui, en effet. Je sais pas si vous avez fait attention, il y a le soleil derrière moi, sauf que... Ah, il doit être derrière moi, mais vers le sud-est. Ouais, sud-est. Enfin, sud-est. Donc il doit se lever, ça peut me faire espérer peut-être un peu de luminosité à l'arrivée, ça serait bien. Histoire qu'on puisse voir le Père Noël quand même s'il sort. Ah, et puis ben, je vous ai pas dit, du coup ça fait 2 mois que j'ai pas atterri. Donc je sais pas comment ça va se passer cette affaire. Mais je me rappelle que j'étais pas très serein sur la fin. Parce que j'avais de plus en plus tendance à pas être content de mes atterrissages. Donc là, je sais pas, ça va être un peu l'aventure. Je ralentis encore un peu. Donc on est toujours avec, ouh là là, c'est énorme, 38 nœuds latéraux. Et avec un avion qui, on voit de toute façon la flèche là, elle devrait être verticale. Donc en fait ça veut dire que
que l'angle que l'avion fait avec la trajectoire réelle, c'est celui-là, là, à peu près, entre la verticale et cette flèche rose. C'est dire à quel point il compense, et on le voit d'ailleurs ici. Il est complètement de biais. Avec la trajectoire qui suit. Là, c'est juste pour compenser le vent. Ah, et puis on voit que ça bouge. Hein. Bon, je suis un peu embêté de faire une vidéo de nuit là pour la première, pour la reprise, mais bon, c'est Noël. Et il est 11h là, il est pas, il fait pas nuit, enfin il fait pas nuit. Je suis pas nuit en France. On est presque en plein milieu de la journée. D'ailleurs, je vais regarder si le soleil s'est un peu plus levé. J'ai l'impression qu'on s'éloigne à mesure qu'il se lève, ce qui est de pas. Enfin, c'est pas l'impression qu'on s'éloigne, on s'éloigne à mesure qu'il se lève. Ça a l'air magnifique, c'est dommage de ne pas pouvoir en profiter avec cette nuit. C'est curieux le reflet de l'écran sur la fenêtre qui se reflète sur le moteur gauche. Qui est plus avancé que l'écran, ça devrait pas se produire, ça me semble. Il me semble qu'il fait légèrement plus clair que tout à l'heure.
Parce que je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que tout à l'heure à droite je voyais rien à part les ailes, à part l'aile et le moteur. Et là j'y vois un peu plus. Ben c'est bien hostile hein, dans le coin. Entre le vent qui fouette, je ne sais pas si vous l'entendez sur la vidéo, et cette neige partout. Ben, 30 nœuds de vent, donc, voilà, donc 45-50 km/h. Moins 18 degrés. Non, moins 10 ou moins 10 18. Non, moins 10. Waouh. Moins 10 degrés. Oui, alors ça se confirme que il commence à faire un peu jour. Ah oui, en effet. Le ciel devient orange. Si le vent se calme pas, je vais en baver pour atterrir quand même. Donc j'ai bonne mémoire, il me semble que le village du Père Noël se trouve au nord-est de l'aéroport. Donc ça permettra de faire du repérage avant de se poser. Si on essaie d'aller survoler ce village. Ah, il me semble que la luminosité rechute. C'est terrible de vivre sous ces latitudes là. Ah ouais, on y voit moins bien que tout à l'heure. Bah tiens, le soleil est là-bas. Ah ouais, il a l'air de diminuer. Waouh. J'essaie de voir si la luminosité s'améliore ou pas, là j'ai l'impression que ça revient.
On voit que le yacht en pilote automatique s'agite toujours autant. Peut-être l'aéroport là parce qu'il est pas légèrement sur la gauche, mais moi je me déplace en crabe donc ça peut coller. Ah oui, c'est un gneud. Oui, donc clairement, ça doit être là. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais décrocher, hein. Et je vais aller voir ce qui se passe au. Alors que oui, le soleil se lève quand même clairement. Je vais voir ce qui se passe au nord-est. Je m'attends à rien trouver, mais bon. Il est où ce sacré soleil?
Ces lumières blanches m'intriguent. Très joli, mais pas de Père Noël. Bon, en toute honnêteté, je suis venu ici, mais je savais pas ce à quoi je devais m'attendre. Ok. Bien, je vais virer pour essayer d'atterrir face au vent. Elle est où cette piste? Ah ouais, elle est là. Je vais baisser un volet. Elle a l'air assez courte. Allez, je reviens. Je baisse le train d'atterrissage. Je baisse l'autre volet. Je ralentis un peu. Et allez, on va essayer de faire ça. Je relance un peu pour pas décrocher. J'ai le vent bien face à moi. Oui. C'est vrai que je suis un peu bas. C'est vrai que je suis très bas. Voilà, je suis à la bonne hauteur. Je suis un peu trop haut maintenant. Voilà, le vent, je l'ai de face, mais de biais en même temps. Allez. J'ai connu plus facile comme atterrissage. On va pas se mentir. Allez,
essayer de pas se viander. Bon, ça va, c'est pas trop lamentable. Alors, le GPS est censé me dire où sont les lignes jaunes. En voilà une. Oula. Non, je vais aller à gauche. J'espère que le Père Noël sera à la descente. À gauche, c'est un peu trusté par tous les avions. Je vais me mettre là et j'ai pas trop le choix, je crois. Et voilà. Bon, j'ai pas vu le Père Noël, je suis très déçu. Du coup, les moteurs se sont arrêtés tout seuls. J'ai un peu trop freiné. Bien. Donc voilà, nous sommes arrivés à Rovaniemi, un truc comme ça, je crois. C'est-à-dire la cité du Père Noël. J'étais content de refaire cette vidéo d'aviation. J'étais content aussi de la faire pour Noël, même si c'est purement symbolique. Je suis content qu'il fasse également un peu jour. Bref, je suis content. C'est normal. C'est Noël. Et je vous dis, pour le coup, à très bientôt. Ciao et joyeux Noël bien sûr.